Le retour du Coliseum, les amis. Le retour. Je ne sais plus du tout comment ça marche. Je suis un oubli éclataxe. Mais on va prendre un plaisir absolument incroyable. Comment je dois placer mes persos déjà? Je ne sais même plus. On va y aller comme ça, au pif. Alors, la timeline. Je vais la mettre en bas pour que vous puissiez voir, parce que j'ai ma caméra en haut à droite. On a du Sacri, du The Ball, du. C'est quoi ça? C'est un Xalor, je pense. Le plaisir, les amis. Je vous promets que je suis ému. Bah, comme Dieu dans le chat, je suis hyper ému. Alors, malheureusement, vous n'aurez pas le chat si je mets la vidéo sur YouTube. Le chat Twitch bah, restera sur Twitch. Ah, c'est un SRAM ça? Ah, ok, ça va très bien. Déjà, je ne sais, mais c'est trop compliqué d'écrire la classe au-dessus parce qu'on voit rien avec leur machin gris là. C'est bon, mais je suis perdu. Mais je suis un vieux de la vieille. C'est difficile là. Hein. Bon, ah, mais il faut que je dise bonjour. Je vais pouvoir dire bonjour en PvP, les amis. Ah, non, non, attendez, on va déjà essayer de faire un tour de Xelor. Ok, donc il y a plein d'effets déclenchés dans tous les sens. Comment faut faire déjà? Je ne sais plus. Qui va jouer en premier? Bon, écoutez, on va faire le mec évidemment qui n'a pas le temps. Alors il faut évidemment que je joue à blinde avec les raccourcis. Tac. On va lui mettre un petit ralentissement. Petite fuite. Let's go. Il faut que je me mette sur ça comme canal de discussion, je crois. Vite, faut que je dise bonjour avant de passer pour un malpoli. Hop. Bonjour. On a eu chaud, les amis. Alors, je n'ai pas activé le canal général. Unlucky. Ça se trouve, il m'avait dit bonjour avant. C'est bon, j'ai déjà fail. J'ai pas dit bonjour. C'est horrible. Ok, ça tabasse. Ça tabasse. J'ai pas un Xel hyper solide non plus. Mais tranquille, ça va le faire. Alors, le Sacri qui a pris déjà. Ah, ok, ça joue au prix tech. Ah oui, c'est vrai que ça existe ce truc. NP, les amis. Que se passe-t-il? C'est un piège de SRAM. Ok, c'est vrai que les SRAM déjà existent et en plus posent des pièges. Hein. J'avais oublié, mais NP, on est safe. Let's go. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça tranquillement. Oh, le plaisir, les amis. Le lag de mon côté est correct. Dites-moi pour vous ce que ça donne. Pour moi, c'est à peu près jouable. Donc le Sacri qui est sous zéro. Alors j'ai choisi de jouer avec le Rocket, on verra. Ça passe, on me dit. Tu vas vite regretter d'avoir focus Sacri. Bah écoutez, on va découvrir la méta. Hein. Je ne connais plus rien du tout. Ah, ok, là il y a un peu de lag, mais c'est ok. Pour l'instant, j'ai pas pris d'héros. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai plus de PV? Ok, NP. En vrai. On va venir ici, on va faire ça. Ah non, ça lag quand même, hein, c'est relou. On va faire ça si vous voulez. On va faire un petit mot sélectif. Comme ça, dans le plus grand des calmes. Et un petit mot de régène sur notre ami le Xelouné. Et je pense qu'on va s'avancer pour ne pas se faire isoler. Si t'as pas ça écrit dans ta team, tu perds, c'est à peu près la méta. Ah. On va voir, les amis. On va voir. Donc ça, c'est un Zobal. Hein. En tout cas, les esquives PA en face ont été oubliées, hein, littéralement. C'est un oubli. Pas de chance. Alors, maîtrise d'armes tout de suite, ça rentre dans le concret, là. C'est quoi les dégâts que je prends? Mais what the fuck? Ça me met insoignable. Donc les gars n'ont pas le temps de niaiser. Hein. C'est vraiment... On est là. Alors NP, regardez, moi, ce que je vais faire. Je vais mettre un petit cadran de Xel. On va tranquillement venir chercher... Sablier de Xel. Il est en téléfrag lui. Hein. Attendez, je ne vois rien. Oui. Tac. 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 Let's go. Ok. Donc, 6 PA sur le Sacri, 3 PA sur le Zobal, voilà. Hein. Si vous voulez mon Xel insoignable, il est safe, il s'est barré. Voilà. Hein, la reprise du PVP, les bons modes bourrin 34, 33 esquives ont de l'Enix Xel. Ça m'avait manqué, les amis. Évidemment, on va arriver avec nos petits modes full tank, full retrait PA, full on joue à l'érosion et on essaie d'utiliser plus que 3 points de QI pour taper comme un sac. Let's go. Ok, je me prends des petits coups. C'est safe, hein, vous inquiétez pas.
Alors, je pourrais presque switch de mon focus. En vrai, le SRAM, c'est un peu une chips. Mais je pense qu'on va. On va continuer tranquillou sur le sacri. Sacri, ouais. Écoutez ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire flare ici. Comme ça, je bloque l'accès à mon poteau, évidemment. Mon poteau, le Xelor. Là, il a pris tarif en érosion. Ah, j'ai oublié de mettre le contre avec le Xel. Merde, ça m'aurait fait un énorme taf. Ok, donc ça crie 6 PA. Pas mal d'héros. 2359. Alors, transpo, ok. Mais du coup, il va mettre quoi, un gros coup de marteau. Ah bah non, pas de PA. Ah, pas de chance. Pas de chance, les amis. Alors, je suis insoignable, par contre, ça c'est hyper relou. Il va peut-être me terminer. Alors, attendez, comment faire? On va faire. Tac. Tac. Mode ralliement, let's go. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais je suis full taclé en fait. Ouais, c'est relou. Tant pis, c'est de la merde. On va faire ça. Je vois rien, les amis. C'est compliqué. J'ai 2000 PV. Ok, 1700 PV sur le sacri, par contre. Si j'avais fait le contre, les amis. Ah, mais il a pas de PA. Il a pas de PA. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Qui joue après le SRAM? Écoutez, on va faire ça comme ça. On va faire ça. On va se faire le contre en zone. J'ai hésité en fait à aller. Ah, mais attendez, je suis soignable là. Let's go. Tac. Tac. J'ai un émeraude, hein, oui. Je prends un émeraude. Bon, SRAM 12 PM. Non, 12 PA 8 PM. Mais il n'a pas de ligne de vue sur moi. Donc ça, c'est cool. Alors, je vais enlever le mode créature. Je me suis mis un raccourci aussi pour enlever les états, mais j'ai vraiment besoin de les voir, les états, donc c'est un peu chiant. Le sacri in the sauce, hein, comme on dit. Moi, j'ai pas pris d'héros hein, pour l'instant. Piège, piège, piège. Full piège, let's go. Le sacri, 6 PA. Mais attendez, mais ça se trouve, il va même pas, il va crever, en fait, le sacri. Ok, ça va m'envoyer un gros double dans les pièges et je vais me prendre un combo et je vais mourir, c'est ça qui va se passer? Tranquille, tranquille, je pense qu'on est safe. Ok, c'est tout? Oh! Oh, j'ai connu pire. Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va full bourriner le sacri, hein, évidemment. Alors, mon tour n'est peut-être pas opti, mais là, on n'en est pas au stade où on cherche l'opti, si vous voulez. On va y aller sur. Non, merde, j'ai pas fait dans le bon ordre. Hop là, plus de sacri. Gosse de balle, hein. Tac. Donc ça, c'est pas mal. Alors évidemment, par contre, je suis un énorme bolos parce que du coup, je m'empêche de me détacler. Enfin, vraiment, je suis le pire des singes. Mais NP, on va faire un petit mot de. C'est quoi? C'est sacrificiel. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est solidarité. Voilà. Mode solidarité sur le Xel. Ah bah on a déjà du rage kit en face. Ça commence hein les amis. Tac, tac. Ah bah ça veut pas éroder, ça veut pas éroder. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Et on va venir tranquillement bloquer ici. Bah j'ai 4200 PV, GG à tous. Ça ne m'érode pas, ça veut taper en mode 2 de QI. Très bien, très bien. J'arrive les amis. J'arrive dans la méta, on va se régaler. Ah bah il a passé, hein, c'est pas de chance. Ça me fait si plaisir de refaire du PVP, si vous saviez. Si vous saviez. Tant d'heures de FM juste pour avoir ce plaisir. Alors, ah oui, par contre, c'est vrai que j'ai des ébènes, j'avais complètement zappé ce détail. J'ai effectivement mis un ébène-terre, là, c'était nul, hein, mais c'est pas grave, ça va le faire. Tac, alors moi je râle PA les AFK évidemment. Alors attendez, je vais mettre un petit sablier de Xel quand même. Voilà, le petit moins 2, bah, GG à tous. Oh. C'est tellement un régal, les amis. Bah, écoutez, on m'a dit, si t'as pas de sacri, tu perds. Moi, je vends un sacri de 2000 PV max qui est mort. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Hein. Ah, ça me fait si plaisir. Ça me fait si plaisir.
Bon, le Xal il a un peu eu chaud quand même, mais son mode est pas fini, je vais lui mettre beaucoup plus de res. Et puis j'ai oublié de mettre le contre hein, qui aurait fait une énorme différence dès le début. En vrai, on va taper le The Ball, je pense. Hein. Là, je crois qu'on est au stade où on érode plus, donc il faut que je commence par le Limi hein, pour opti mon Rocks. Qui me booste en puissance. Let's go. Tac, tac. Bah salut, hein. Hop. C'est le double, lui. Putain, je suis un singe. Hein. Évidemment, je vais pas sur le bon, c'est pas ouf. Il n'y a pas un truc qui peut me faire le rush là. Et voilà, comme ça je déloque l'ivoire. Petite carcasse, 600 pour 2 PA sur 31%. Hein. Parfait. Parfait. Alors je me suis encore bloqué tout seul, décidément. C'est vraiment ma spéciale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait. Bah en vrai. Mieux que j'ai à faire, c'est un lapin. Hein. Ok, je peux faire ça. Comme ça, je restimule. Voilà, on va stimuler le lapin. J'arrive à finir mon tour en plus. En vrai, la fluidité de jeu est correcte. Hein. Je m'attendais à bien pire que ça. Et franchement, c'est à peu près jouable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire ça. Pourquoi j'ai pas la prévisu? Je ne sais pas, mais ça passe. Il faut que je me conditionne à jouer uniquement en raccourci. Sinon, ça va être infernal, hein, vraiment. On va mettre un peu de retrait. Un peu de retrait. Voilà, bon, j'aurais pu rapprocher mon cadran éventuellement. On va mettre un petit GG. Alors, il ne parle pas, hein, je ne sais pas pourquoi. Les amis, si bien, la reprise du PVP, ils ont déjà FK en face, ils ont rage quit. Ah c'est trop cool, en vrai je suis trop content. Bon, par contre les gens ne parlent pas, je comprendrai jamais pourquoi. C'est quand même, Dofus c'est un jeu où on a le temps un peu d'être en mode bonne humeur et de discuter, mais bon. Pas de chance. Tac. Je termine là. Ah, c'est vrai que les dégâts de logis c'est quelque chose. Hein. Bon, on va mettre un petit bon jeu. Premier colis depuis je sais pas combien de mois. Peut-être, oui, non, j'avais fait un peu pendant le premier confinement, donc un paquet de mois. Et c'est une victoire, les amis. C'est de bon augure. C'est de bon augure. Oh, c'est vrai qu'en plus, on gagne des colisétons. Ça va me faire masse thune et des kamas. En vrai, les kamas qu'on gagne en mode, je redécouvre le jeu, hein, littéralement. Je ne sais plus ce que c'est un colisé. Bon, on gagne un peu d'XP, ça sent OZEF. Par contre, je vais gagner des milliers d'euros, les amis. Hein. Je vais vraiment devenir riche. Donc, c'est incroyable. Les colisétons. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Et il va y avoir beaucoup de PVP. On va reprendre à fond. On va essayer de reprendre en main cette compo, de bien comprendre un petit peu les spécificités et compagnie. Et assez vite, on essaiera de varier et d'avoir un pool de champs, enfin de persos, de classes différents qu'on pourra combiner pour faire des roulements et faire plein de vidéos, enjoy à fond, découvrir tous les gameplays possibles et évidemment vous faire des tonnes de vidéos facecam pendant 1 heure où je parle de la méta en me plaignant. Voilà, donc ça va être un régal. Écoutez, à très vite tout le monde, je suis hyper hypé.